Salut à tous, c'est Motino55 et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième match de la NDX, le tournoi finalement. Et enfin, je dis on se retrouve finalement, c'est plutôt on revient juste à l'instant du troisième match, donc forcément. Mais là, tout de suite, là, c'est Face contre Mikaelo et là, c'est deux personnes qui ont voulu jouer encore dans Dome, au Melee Général. Et au sniper, au MSR, etc. Donc voilà, on va continuer sur cette belle lancée. Et avec moi, j'ai encore dit pour toujours la quatrième bah, fois. Comme toujours, hein. Comme toujours, hein, je vais te dire. Hein. Comme toujours. Ce sera que lors de nos matchs hein, que chacun de nous ne sera pas présent. Voilà. C'est normal. Exactement. Bon, bah, sur ce, je pense que je vais envoyer vu que l'un des joueurs est assez pressé. Ouais. Tu peux y aller. On va dire tu peux allez, y aller. j'envoie. Alors c'est parti. Toi tu suis Mikaelo. Mikaelo et moi je suis Face. Face. Je suis désolé parce que personne ne le connaît Face parce que finalement c'est un gars de la team qui s'appelle Danny Dan et c'est son deuxième compte. Enfin deuxième compte si on veut. Parce que finalement, il a eu plein de comptes et ça, c'est son dernier compte. Donc aujourd'hui, on est sur ce compte-là. Voilà. Alors, tes pronostics aujourd'hui pour ce petit match entre Face et Mikaelo. Tu t'entraînes Moi, je suis pour Mikaelo. Hein. Même si c'est, on va dire, un petit nouveau hein, parce qu'il a recruté. Le mois dernier, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. C'est... Bah, en sachant que Mikaelo est un spectateur à la base. Oui. Donc, il nous a connus grâce à YouTube. Exactement. Et il a voulu nous rejoindre pour un peu jouer avec nous et rigoler, quoi. Exactement. Et... Ça me demande de choyer les ronds. Et c'est avec plaisir qu'on l'a recruté, car il était très sympa, ma foi, et finalement, voilà. Bah, pourquoi pas. Malgré qu'il n'a pas de micro, donc... Je vais dire ça, c'est pas non plus très grave, hein. Non, pas du tout. Ah là là. Bon, bah allez. Voyons les scores un petit peu pour le début. Alors, 4-1 pour FaZe. Pour FaZe, hein. Ouais. Alors, moi, depuis mon écran, j'aurais dit que ça aurait dû être un headshot, hein. Ouais. Il n'est pas passé en headshot, je ne comprends pas pourquoi. Oh, joli face. Bien joué. Alors, Mikaelo, sa tendance... Mikaelo, excuse-moi d'avoir écorché ton nom. Mikaelo a tendance à lancer un petit couteau de lancer à chaque fois qu'il réapparaît. Ah ouais? Oui. Ok. À l'aveuglette, hein, on a tous, je pense, déjà lancé un couteau à l'aveuglette. Ouais, ça. Soit on a de la chance, soit on en a pas. Exactement. Apparemment, là, il a plus souvent pas de chance qu'autre chose. Bah malheureusement ça marche pas à tous les coups hein. C'est vrai qu'il faut faire ça. Si on y arrive c'est vraiment avec de la chance hein, j'ai envie de dire. Ouais ou des calculs algébriques avec des vecteurs. Bon, exactement. Je pense qu'on a déjà tous été traumatisés par A ou vous allez être traumatisés par ça plus tard. Hein. Exactement. Alors 9-4 quand même pour Mikaelo FaZe. Non 10-4. Ah oui 10-4 pour FaZe pour l'instant. Alors ouais c'est très bien. Je dirais que FaZe le remporte pour l'instant le match. Tu sais de quoi on a tu te rappelles que rien n'est joué. Oui, tant que le match n'est pas fini, il a tendance à vouloir coller là, Mikaelo. Et...
Donc coller son adversaire pour réduire la fenêtre de tir. Hein. Ouais. Et avoir une meilleure avoir une plus grande chance de toucher. Alors pour la semaine prochaine, j'ai envie de. Il y a encore plein de monde à passer forcément. Il y a encore pas mal de monde. Là, avec aujourd'hui, je crois qu'il y a déjà. Il y a combien de personnes 10 personnes de passer hein. 10 personnes déjà. Non, 10 8. 8. On est au quatrième match et c'est un 1 contre 1. Oui, exactement. Donc, 8. C'est une multiplication assez simple. Qui est égal à 2 x 4. C'est vrai. Non mais tu sais que je regarde en fait la vidéo en même temps que de commenter, donc forcément c'est... je réfléchis pas tout de suite. Bah alors à mon avis c'est... tu risques d'avoir quelques problèmes futurs. Hein. C'est vrai. Que si tu n'es focalisé que sur une seule chose à la fois, ça risque d'être problématique. Alors, il a fait la serpillière. 14-7. Toujours pour Fizz. Alors, voyons. Oh, méchant. Oh, il est pas passé loin, j'ai l'impression, le couteau balistique, hein. Il a tapé dans le... Dans la barricade. Ah. Les sacs de sable. Voilà, il est énervé, Face, apparemment. Faut savoir que Face, enfin, alias Danny Dan, il est quelqu'un qui s'énerve très 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 vite, donc forcément, on a une personnalité qui est assez... Et pourtant, c'est pas parce qu'il s'énerve très vite qu'il est super ragé, hein. Au contraire, il est tout jeune. Non, là, il s'énerve pas, je l'entends pas s'énerver au micro, hein. Ah oui? Bon. D'accord. Ah non. C'est suivant le clignotement de son comment dire, de son micro que tu dis ça. Oui. Je pense. Non, pas. Non, mais je dis ça en règle générale, tout simplement. Oui, c'est vrai que tout comme Abou, hein, Abou s'énerve très vite. C'est des personnes qui ont le sang chaud, on va dire. Hein. On va dire surtout Abou. Oui, surtout Abou, mais c'est une autre. Ça, c'est une autre chose. Bon, j'en ai marre, hein, ça fait la quatrième fois que je choisis une personne qui est en train de perdre. Eh bien, oui, mon cher, c'est. 21, c'est quand même une sacrée raclée, autant que je m'attendais pas à ça quand même, mais bon, bah tant mieux pour Face, j'ai envie de dire. Ouf. Oh oui. Alors là, la lucarne. elle était belle, hein, moi j'ai vu. Ça sent mauvais, ça, j'aime pas. Voilà. Oh oui. Quand j'entends, parce que au casque, on a plus, on entend plus facilement les joueurs, enfin les joueurs adverses. Ah oui. Parce que on a tendance à être enfermé dedans, mais à entendre les sons venant de derrière, de l'avant et des côtés en fait. Ouais. Et ça nous permet justement d'avoir des réflexes très importants. C'est vrai. J'entends un couteau de lancer. Oui, c'est normal, c'est Face qui l'a envoyé tout à l'heure. Oh. J'aime bien, à chaque fois, ils font un peu le tour du camion. C'est vrai. Du tank, hein. Franchement, Mikaelo a eu très chaud au couteau de balistique. Oh, couteau de lancer. Je sais pas, j'ai un peu au couteau de balistique. Mais c'est pas grave. Ouais, à mon avis, c'est par rapport à notre dernière vidéo. Hein.
Oui. Justement, au troisième match, hein. Oui, oui. On en parlait. Oh. Exactement. Oh là là, non, il aurait dû passer celui-là. Alors, allez un petit peu les scores. Oh, 26. Il n'y a plus que 4 points. C'est la ligne droite pour Face. Il a vraiment plus que 4 points. 3 points, il lui reste à tirer. Malheureusement, Mikaelo est encore à 14 et il lui reste encore la moitié, plus de la moitié du parcours à faire. Et c'est très peu jouable, j'ai envie de dire. Oh là 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 là! Oh, le kill réflexe! Ah oui, ça c'était un kill réflexe quick. Je l'ai sens, je sais pas trop quoi. Je l'ai vu à son personnage. Hein. Ah oui, 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 non mais c'est. Parce que son personnage était tourné sur la. Sur la. Sur la gauche de Mikaelo. Ah oui, il fait le lap. Il va vouloir, en fait, Face. Mon avis, il va faire un 360. Ouais, non pour la dernière, vu que c'est sa dernière là, il va essayer de nous faire un 360. Ah, et non. Ah, il a peut-être une chance de remonter Mikaelo, du coup. Il a une chance si. Danidan, oui. Oh, vous allez comprendre que Face, mais. Oh Il a eu une chance à se baisser. Oui, oui. Si Face maîtrise très mal le 360, et il a une chance de remonter, Mikaelo. Mais c'est pas sûr parce qu'il reste vraiment qu'un seul point. Et même sur un coup de chance, Danidan peut gagner. Oh oh oh, il est pas passé loin. Qui est passé à ras du. Oh là là à là ras là de là. La tête. Alors. Là, on est à 19-29. Alors, attention, il reste encore 10 points pour Mikaelo. Ça va être très peu jouable. Oh, oh en Titanic, je crois. Ah. Oui, non. Parce que je n'ai pas entendu de tir. Couteau de lancer. En couteau de lancer, c'était magnifique. 360 couteaux de lancer. Oui, oui. Wow, joli. Joli. La première fois qu'on le voit ici, hein. Oui, oui, exactement, c'était magnifique, j'ai envie de dire. Magnifique. Et eh ben écoutez, oui. Voilà, c'est sur un beau kick. Un bon match assez serré quand même. Hein. Assez serré, et finalement, un beau kill de fin, franchement, Bah, s'il va m'entendre pour cette vidéo-là, Danidan, bah, je lui dis, bah, je te tire mon chapeau pour ce dernier kill de fin. Bon ben voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Oui, ben oui. Ah, ben genre, voilà. Bon. Alors, je tiens à dire que j'inscris tout de suite le nom de Face sur le classement général. Voilà. Vous pourrez voir ce soir même sur Facebook, pour ceux qui nous suivent. Voilà, il sera disponible à partir de ce soir sur Facebook, le groupe Facebook NDX. Ou mais encore sur Moti NDX. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que... Est-ce que t'as quelque chose à dire, à ajouter? Non, pas pour le moment. Et bah écoutez, bah moi c'est pareil. On en parlera peut-être. Ouais. À la prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo exactement, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs. Donc restez avec nous, suivez-nous, abonnez-vous et mettez des j'aime. Ciao. Alors, tout le monde. Juste un peu, juste une petite seconde. Oui. Il faut savoir que nous sommes même pas à la moitié des vidéos concernant les matchs. Là, nous du premier round hein, seulement, hein, de la première série. Exactement. Nous ne sommes même pas à la moitié. Donc c'est pour ça qu'on va accélérer un petit peu le mouvement et puis essayer de voir ça. Ça va avancer très vite, très vite. Voilà. Donc bon, bah écoutez, voilà, je pense que c'est bon, hein. On a tout dit. Je pense, oui, qu'on a tout dit. Bon bah. Tu rappelles quand même le Facebook, le Twitter, le... Oui, il y a un Twitter, hein, si je me trompe pas. Alors, le groupe NDX, c'est tout simplement NDX. Il n'y a pas plus simple. Le Twitter, bah, c'est Motina55. Vous pouvez revenir me voir sur Motina55.
On a... Bon bah la chaîne YouTube, vous y êtes déjà, si vous voyez cette vidéo actuellement. Vous avez aussi... bon, le forum, je vous le dis pas parce que c'est plus privé. Après, vous avez... bah, je vous dis aussi mon adresse... de Facebook perso, où vous pouvez mettre un petit j'aime aussi, des j'aime et machin, pour me suivre 24h sur 24, pour savoir quelle vidéo va arriver ou quoi que ce soit. Et c'est motine-ndx, voilà. Moi, je pense que voilà, moi j'ai tout dit, et puis je vous dis, moi en tout cas, à la prochaine fois, je vous dis ciao, bonne soirée, bye. Allez, à plus.